Duarte, é preta, c'est sûr et certain. Mais je suis sûr et certain. Como é que já diz, é que tu é preta em russo? Tem gatão, Ты готова? mano. Да, я готов. И о маскулин. Ты готов. Ты готов? Ты готов? Ты готова, Эдуард? Да, я готов. Você fica com Ué. Ты готова? Итак, пойдем. Пойдем ou пойдем? Não, il faut dire начнём. On va commencer. Parce que quand tu dis en russe allons-y, c'est au sens littéral, c'est-à-dire qu'il faut aller quelque part. On va Et donc, commencer, c'est comment? On va commencer, c'est on peut dire начнём. Natignon, Natignon, Là. Natignon. Tegatov? Là, il y a 14. Итак, Natignon, Natignon. Давай, начнем. Урок 20. Ну, 12. 12. Урок 12. Санскрит. Да. Профессор Веберсон. Привет, Эдуард. Как дела? Профессор Эдуард. Все в порядке. Порядке. Все в порядке. Все в порядке. Sabe dizer qual? Все в порядке. On dit tout est en ordre, c'est la façon culturelle de répondre tout va bien. Tout va bien, On d'accord. Tout va bien. utilise cette expression. Sure. Vijou, estou muito Zaplanipavali. Zaplanipavali. Non, Zaplani Ramani, c'est le R. Zaplaniravali. Zaplaniravali. Pagavarit. Pagavarit. O sânscrito. A sânscrita. A sânscrite, a sânscrite, a sânscrite, a sânscrite. Tema, a sânscrita, ochen, obshina, obshina, Abscherna, pour prononcer le verbe. abscherna. Abscherna, ochin abscherna e gruboca e gruboca, Não, c'è Globo, c'è GL. gluboca e gluboca, gluboca, nidia, um segundo, Eduardo. Um segundo. Voilà, très bien. Très bien. Gavarit. Et voilà. Tema sanskrita. Ochin. Obshina. Abshirna, Abshirna, Abshirna e Gruboca, Não, Gluboca, no bom, né? Índia, Índia, você sabe? Índia, India. Dala,
Нам очень богатое. Богатое. Наследние, наследние в область, но в области, в области, сеуса в области, область, язык. Eduardo, je me suis perdu ici. Non, c'est... Oui, c'est justement où tu... V'oblast, c'est ça? Non, v'oblasti, il faut prononcer toutes les lettres. V'oblasti, d'accord. V'oblasti, yazik, yazik. Bon, c'est le mot qui a toujours l'accent sur la dernière voyelle, yzeka. Языка, литературе, и философии, дальжинуе, забывать, что философия filosofia e literatura. Любовь. Странный. Non, ici c'est странный, sinon ça va donner le pluriel. Странный. Основанный на языке. C'est le mot qui a toujours l'accent sur la dernière lettre, языке. Языке. Язык. Вносит. Вклад. Эдуард, par exemple, ici, вклад. Ici, c'est le v. Богатство. Ça veut dire quoi le v? C'est Paris? C'est dans ou un. I-N. E-N. Par exemple, en France, va France, dans ma maison, v mayom donne. C'est ça. Dans ou en, d'accord. Oui, soit en, soit dans. Oui, ilo en, c'est pareil, au contraire, ici. Non, c'est le i. Abschirna i, provoca. I, c'est le e, t, e. Oui, c'est ça? E, t. D'accord, très bien. V'bogatstva. Literatura e создает. Buzon, peut-être, il me... Non, il entend les voisins.
J'ai très vivement entendu vos mots passent. Les voisins sont les nouveaux riches ou ils sont des anciennes personnes? Non, je pense que c'est un peu la classe moyenne. Ils sont un peu plus riches que moi, mais c'est pas trop riche. Mais ils ne sont pas les riches que tu n'aimes pas. Non, parce que les nouveaux riches, eux, ils habitent dans les immeubles spéciaux, et voilà, dans les immenses appartements. C'est pas dans mon immeuble qu'ils vont habiter. D'accord. Donc allons-y. Isozdayot bogatsva Ben. Basmajnastiei Buiragenia Raractienur Raractienur Nuir, nuir, caractère nuir. Ça veut dire quoi, caractère nuir? Tu vois, à la base du mot, tu vois le mot caractère. Caractère, ça veut dire caractéristique. Et au nuir, ça veut dire quoi, le nuir? Attends que je réfléchisse. Tout d'abord, c'est du pluriel. Attends, caractère, bagatство. C'est le génitif pluriel. D'accord, c'est le génitif pluriel, ça donne le pluriel, ça. Oui, et le génitif, parce que au nominatif, on aurait une autre terminaison. Caractère né hier, ça serait au nominatif, et caractère né, c'est au génitif. D'accord, caractère nul, caractère nul, d'accord. Dlia, niega, dlia, Niveau. niego, dlia, niego. Niveau, c'est le V au lieu de G. Niveau Oui. bat pas chemu bat pas chemu i kajdava pas chemu ou kajdava ou ça veut dire quoi? On sait chez ou dans mot à mot, voilà Chez pourquoi odon chez chez toute langue en russe on dit chez toute langue, ça veut dire dans toute langue, mais où c'est chez ou minia dom, c'est chez moi à la maison. D'accord. Très bien. Très bien. Parce que je vais mettre un livre ici, Edouard. Je vais mettre en ligne ici, dans mon téléphone. Et il y avait un mec ici qui a dit quelques bêtises, donc j'avais besoin de le bloquer. Ouais. Quand quelqu'un vient dire quelques bêtises, on les bloque et voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, allons-y. Ou Kajgava. Ou C'est, tu vois la terminaison avec A, G, Kajgava. O, G, O, c'est le V. Kajgava. Kajgava. Non, Kajdava. Kajdava. Ah, Najdava, Yazika, Yezika, Yezeka. Yezika, Yest, Svoi, Svoi, Très bien. Literaturnoi i filosofiski i filosofiski stil gavaria ab ustnam ili
Lismienam. Edouard, tu sais qu'est-ce que je suis? Lismienam. Tu sais qu'est-ce que je suis? Comment est-ce qu'on dit? Anxieux de faire, c'est ça? Comment est-ce qu'on dit ça en français? Anxieux, ça veut dire quand il y a quelque chose qui t'inquiète. Ouais. Non, mais j'ai vous tellement. Ah, je suis impatient Ouais, il ou y a une je chose que suis je suis dé... impatient, c'est de qu'on commence, on finit des. Oui, je sais qu'on est en train de faire, mais quand on va finir, on est au 13 déjà des 18. Je pense que plus un mois, on va finir ça. Finalement, Edouard, finalement, nakonyet. Et donc, Edouard, finalement, de finir tous les chapitres parce qu'on va commencer le cours de anglais en russe, tu vois, on va faire le cours. Et c'est là-bas, Edouard, que tu vas apprendre anglais tellement, tellement, tellement. Et je vais apprendre russe tellement aussi, tu vois. Ici, c'est seulement, je me prépare avec l'accentuation, la prononce, tu vois. C'est un bon chemin ici déjà, tu vois, parce que comme ça, avec la lecture ici, j'améliore beaucoup ma prononce de russe et comme ça va devenir plus facile là-bas. Et c'est la même chose pour toi. Tu pratiques déjà la conversation dans les salles de conversation et voilà, et donc tu vas arriver à apprendre plus vite avec le cours qu'on va faire. Et comme ça, Edouard, on pourra enseigner anglais pour les Russes. Oui, c'est avec grand plaisir. Ouais. Quand on finira, Edouard, le premier module, on va pouvoir déjà vendre le cours pour les Russes. Tu vois? Oui. Génial ça, parce qu'on Oui, bien sûr. pourra vendre le cours pour les Russes. Et on va les mettre dans les salles de conversation. Oui. Donc, on peut vendre le cours pour Valodia, Danil, Igor, tu vois, pour tous ceux, on peut vendre le cours. Et comme ça, on va les aider à apprendre l'anglais avec la conversation et avec aussi les matériaux, Ouais. très bons matériaux d'anglais. Ah oui, c'est vraiment génial. Voilà, et donc c'est à cause de ça que je suis impatient pour qu'on finisse le plus tôt possible les 18 chapitres. Comme ça, Edouard, qu'est-ce que tu en penses, Edouard? Le cours, il va aider la personne à arriver au niveau courant, ça veut dire de la conversation naturelle du anglais, si la personne, elle suivre tous. Oui, bien sûr. Il faut qu'on réfléchisse déjà combien on va charger par le cours, tu vois. Au Brésil, je charge à peu près 1 000 reais. Ça va donner à peu près 200 € le cours complet. Tu penses que 200 € c'est cher pour un moscovite ou non? C'est pour le cours complet? Pour le cours complet, oui. Attends, que je réfléchisse en rouge. C'est pour le cours complet que ça donne 6 mois de cours. De son nom, je pense que ça va aller. C'est assez normal. Tant que je Oui. réfléchisse. En 1000 euros, ça fait combien encore? 10 euros, ça fait... Oui, je pense que ça va aller. Il faut que je regarde combien d'autres professeurs prennent ou demandent. Parce que moi, j'avais fréquenté une école, donc c'était pas la même chose. D'accord. Donc réfléchissez et on va voir ça après. Donc allons-y. Lismienam. Non, c'est le P comme Pierre, la Lismienam. première lettre. Lismienam. Sabuti. Non, ne corrige pas. Sabuti. Sabuti. Presque, mais il faut prononcer toutes les doubles lettres. Ça.
Saab cheni. D'accord. Нужно сказать, что она всегда, всегда, всегда. Всегда, c'est le G. Всегда. Неоднозначно. Неоднозначно. Предложение. Предложение. Ça veut dire quoi, предложение? La préposition, c'est-à-dire grammaticale. Voilà, très bien. Un petit seconde. Non, pas préposition. Je me suis trompé parce que j'ai vu que c'est proposition en français. Proposition grammaticale. Предложение. Которое произносится всегда interpretiruitia. C'est ça? Interpretiruitia. Ça veut dire quoi? C'est la voix passive, donc il se fait interpréter. D'accord. C'est-à-dire la proposition se fait interpréter par le locuteur. D'accord. Gavariashim. Gavariashim. C'est ça? Gavariashim. Pastamu. Pai tamu. Colda. Когда. C'est quand, c'est facile à retenir. Quand, когда. Мы говорим. Мы всегда. Умер грей муруем. C'est ça? Non. Interpretiruem, c'est interpréter. Le M français, ça donne le T en cursif. D'accord. Donc, le U, il a le son de I, c'est ça? I. Oui, toujours. I et le M, le T. Nous interprétons. Nous interprétons. D'accord. Interpréteruiem. Ta. Non, ici c'est to, parce que c'est la préposition accentuée. D'accord. To, sto, skazana, ili, napisana, и каждый делает это по-своему.
Ita pasvayemu. Vzav si mast. Vzav si mast. Vzav si mast. Não, vzavisimasti. 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 At svojiga. Svojivo. 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 At svojivo. Kulturnava. Kulturnava. Kulturnava, você sabe? Não. D'accord. Kulturnava. Kulturnava. Praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Praiz ro, praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Ça c'est difficile la prononciation. Praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Ça veut dire quoi, praiz rojdenia? C'est l'origine. D'accord. L'origine, ça veut dire de ta naissance, de ton pays. D'accord. Praiz rojdenia. Praiz rojdenia. Attends une seconde. Praiz rojdenia. Psychologicheskava. 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 Ça veut dire quoi? Psychologicheskava. C'est le mot psychologique dans le génétique. En nominatif, on aurait psychologicheskie. Voilà, et en génétif, on change de terme. D'accord. Je te dis chaque fois le cas pour que tu t'y habitues, que c'est le même mot. D'accord. Psychologicheskava apruta. 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 Édouard, en russe, le plus difficile sont les mots qui sont très longues, tu vois. Oui, mais elles sont longues à cause des terminaisons qui marquent le genre et le cas. C'est pour ça que parfois les terminaisons sont. Ils marquent le genre et le cas même. Et le cas. Le cas, c'est comment? Explique-moi. La déclinaison. Quel genre de cas il y a là-bas? Ici, c'est le génétif parce qu'en français, on dit de l'expérience psychologique et en russe, ils disent simplement expérience psychologique et pour marquer l'appartenance de, tu mets une terminaison spécifique. Où est le cas ici? Où est le cas? C'est Ogo, qu'on prononce avant. Ogo. Voilà. Ça marque. Ça veut dire quoi en français? Ça marque le DE en français, de. Deux psychologiques et expérience. Deux, c'est ça? Oui, deux. D-E, c'est-à-dire, c'est pour t'aider, je vais te dire, c'est l'appartenance. Quand la chose appartient à, par exemple, la maison de mon ami, c'est toujours le génétique. Voilà. Mais d'accord. On ne met pas le deux. Voilà. D'accord. Donc, Ava, ici, c'est à cause du cas qui c'est deux dans le mot. Et s'il si était un autre cas, quels sont les cas qui sont dans le mot généralement? Il y a tous les six cas. Donc, je vais les citer en ordre. Nominatif, génitif, datif, accusatif. D'accord. J'ai bien compris.
J'ai bien compris, c'est bien. Et donc, où il est ici, le, donc ça c'est le cas, Ava, Ogo, comme prononcé Ava. Et oui. Où est le genre? C'est Ava montre à la fois et le cas et le genre. Ava, c'est le cas, c'est le... C'est le masculin. Le cas et le genre. Oui, masculin en génétique. D'accord. En psychologie tchèskaya. Parce qu'au féminin, on aura le oi. Psychologie tchèskaya basée, par exemple. La terminaison montre toujours les deux choses à la fois. Le cas et le genre. Sauf le nominatif, ou pour les noms, généralement, il y a la terminaison zéro. D'accord, très bien, très bien. A, pluie, au pluie. Au plus tard. Au plus tard. Abrasvania. Abrasvania. I, urovnia. I, urovnia. I, nanie. Znanie. Nievazmožna. C'est un mot très répandu, ça veut dire impossible. Nievazmožna. Pieredat. Informatsnuju. Informatsnuju. Ça veut dire quoi? Information. La prononciation. Informatsnuju. Informatsnuju. Adnaznačnum. Adnaznačnum. Činum, adnazna činum. Priamum, c'est ça, priamum. Priamum. Slasavam. Non, c'est le P comme Pierre, sposabam. Sposabam nie buduci interpretiravanum, c'est ça? C'est difficile cette prononciation, interpretiravanum. Ici, où il y a le genre et le cas? Attends, laisse-moi réfléchir à propos du cas, s'il te plaît. C'est l'instrumental. Et c'est les deux dernières lettres qui désignent le cas et le genre. C'est l'instrumental. Par quelque chose, on montre l'instrument. D'accord, très bien. C'est le cas qui montre le genre, c'est ça? UM, les deux dernières lettres, montre le cas et le genre, comme dans tout. Quel est le cas et quel est le genre? Le cas, c'est l'instrumental. C'est quoi instrumental? C'est quoi instrumental? C'est quand en français on dit par. Par? Oui. D'accord. Par ou avec, par exemple, j'ai planté les. Ça veut dire par, c'est ça? C'est dans ce contexte. Voilà. EM, les deux dernières lettres montrent le cas et le genre. Quel est le genre? C'est le masculin. Toujours qu'il a le M, c'est le masculin? Oui.
D'accord, très bien, très bien. Interpretiravanum, interpretiravanum. Que ça veut dire quoi? Tant que je trouve le substantif, donc c'est la manière qui est sous-entendue, qui est voilà, interpréter, la manière interprétée, mais en russe on dit c'est au masculin. Ili dage Iskajon. iskajonum drugim ita tačka Non, il faut dire tochka, parce que si tu dis tachka, ça veut dire la voiture dans la langue afghane. Donc, il faut dire tochka. D'accord. Tachka, c'est la voiture. Oh. Tachka, c'est de l'argot. C'est de l'argot. Tachka, c'est la bagnole. Oui, la bagnole, exactement. Et tochka, c'est le point. Tachka, c'est la bagnole, d'accord. Tachka, il s'écrit de la même façon, Tachka? Non, ça va s'écrire avec le A, parce que c'est la lettre accentuée. Très bien. Donc, Eta, Tachka, Azri. Irienia, Zrenia. Zrenia, Horoja, Harasho, Da. Harasho, Abiasnina. Vrabotie, filosofa, c'est ça, filosofa, Dievda, Non, David. d'accord, Dievda. Tu Luisa. vois, c'est toujours le génitif, parce qu'au nominatif, on aurait eu un philosophe, David Lewis, et au génitif, deux philosophes, on dit philosophe, on rajoute le A, David Lewis, parce que c'est deux, c'est l'appartenance. Davida Luisa, ça veut dire quoi? C'est le philosophe David Lewis. D'accord, je ne connais pas ce philosophe. Davida Luisa, d'accord. Когда Ангаварит о том, Насколько? когда сабочихва? Quando? Como? Quando? Como? Quando, in italiano. Como? Quando? Como? Quando? Когда он говорит o tom nascolca vasprijatnje mira i jego interpretacija sto Stočki. Zrenja, sabe dizer qual? Stočki zrenja, le point,
de Zelenia, qui est marqué toujours avec la terminaison, donc il n'y a pas de de, mais c'est le point de vue. Zelenia, c'est la vue. Stotka Zrinja. Physique. 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 Obuslovljenu. Jezikom. Sanskrit. Dielicia na tri piernada. Tripiernada. Non, période. Pierna. Périoda, ça veut dire du mot période. Na tri perioda. Perioda. Viedicheskiji. 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 Sanskrit. Klasicheskiji. Klasicheskiji. Sanskrit. E Prakrit. 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 Eduardo, que se sanskrit, prakrit, sanskrit, e se prakrit. Donc, le E, ça veut dire quoi ici? Ici, dans ce contexte, ça veut dire le nominatif pluriel, les Prakrit. Donc, presque toujours le E. Il va donner le sens de pluriel. Oui, au nominatif masculin. Oui. D'accord, très bien. Comment est-ce qu'on sait ici si c'est le masculin ou le féminin dans cet mot? Parce que, attends, que je réfléchisse, donc il serait, il faut que je choisisse un mot féminin. Attends. Non, féminin, c'est la même chose, la terminaison. Ce qu'on sait, comme en français, ici, il faut le savoir, le genre. D'accord, très bien. Comment Avec le temps. dis ça encore, s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce qu'on va savoir ici le genre? Ici, c'est-à-dire vraiment pour expliquer comment on sait le genre, faut trouver pour chacun des mots, faut trouver le nominatif singulier. C'est plus facile qu'en français parce que le nominatif singulier n'a pas d'exception et il indique le genre. D'accord, Voilà. d'accord. Par exemple, prenons le mot prakrit, Donc, le très nominatif singulier, bien. Très tu auras la terminaison zéro, prakrit, il bien. n'y a rien. Très bien. Et ça montre le masculin. Ça marche, ça marche. Eta srednjevjekovni. Srednjevjekovni. Srednjevековые. Средневековые, ça veut dire quoi? Mot à mot, Moyen-Âge, ça veut dire du Moyen-Âge. D'accord. Средневековые, Разговор. Разговорные. Варианты. Санскрита. Ici, comment est-ce qu'on sait le genre? C'est comme c'est le mot en masculin et il a le A, ça veut dire c'est
le génitif masculin. Le A. Oui, c'est le génitif masculin. Voilà. Parce que toujours, comme je viens de dire, le nominatif singulier aura la terminaison 0. Comment est-ce qu'on sait le cas ici? Comment est-ce qu'on sait le cas ici? C'est soit comme Taurus natif le sait, soit on utilise la règle. La règle qui nous dit que les noms masculins au génitif vont avoir le A en guise de terminaison. D'accord, très bien. Sanskrit. Ici, ça aurait être le féminin. Qu'est-ce qu'on aurait à mettre ici? Attends, il faut que je choisisse un mot. Variante, c'est Knigi. Avec un i. Avec un i. Sanskriti, c'est ça? Oui. On peut dire le mot kniga, donc les variantes du livre, les variantes knigi. Sanskrita et sanskriti. D'accord. Mais toute terminaison dépend du contexte, parce qu'il peut signifier les choses différentes. Voilà, ça dépend du contexte. Très bien. Situatia takaya g kak i slatinskim. I slatinskim. Yizikom. Kataruye. Quatorze, Sriedni, Vieka, Prevratilsia. Prevatilsia, vnapadnuju, vnarodnuju, c'est le R. Vnarodnuju, vnarodnuju, la tuni. La thune. Vkatarouyou, vrodili, islanskiyu. Non, c'est hispanski, comme espagnol. Hispanski. Hispanski. C'est de l'espagnol, c'est ça? Hispanski. Oui, et l'espagnol. Edouard, si ça aurait être seulement un N, sans ce N ici, ça aurait être quoi? Ce N avec le I-U, ça veut dire quoi? C'est parler espagnol. Parler en espagnol. D'accord. Ça ne serait pas le substantif. D'accord. Très bien. Franzuski, italianski, portugalski, yezik. Donc, je vais répéter. Je vais répéter en russe. Я повторю. Я повторю. Повторю. Я повторю. Итак, в Катарю вроднили испанские
Испански, французски, италиански и португалски язык. Très bien, Edouard. Très bien, très bien. Donc, très bien, très bien. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прекрасно и merci, merci, спасибо. Прекрасно, спасибо, мой прекрасный Эдуард. Oui, Edouard, c'est très bien. Prikrasna et tak. Merci pour aujourd'hui en russe. Спасибо на сегодня. Спасибо на сегодня. На c'est pour, c'est ça? Notamment, c'est sûr. On dit sûr aujourd'hui, pas pour. Спасибо на сегодня. Et tac, on se voit la prochaine fois. Comment est-ce qu'on dit? Увидимся в следующий раз. Увидимся. Quoi plus? Увидимся в следующий. Cette mot, c'est difficile de prononcer. Mais on peut le raccourcir. Следующий. Qual plus? Раз. Следующий раз. C'est la prochaine fois, ça, c'est ça? Следующий раз. Итак, увидимся в следующий раз. Эдуард, итак, спасибо огромное. C'est ça, je n'ai oublié tout déjà. Mais ça m'arrive aussi, hein, ne t'inquiète pas. Et donc, ça m'arrive en anglais tout le temps. Ouais. Et donc, et tac. Спасибо огромное. Спасибо pour aujourd'hui. На сегодня. Спасибо. C'est tout pour aujourd'hui. На сегодня. Merci pour aujourd'hui. Спасибо на сегодня. Итак, спасибо на сегодня. Вседлюе. Comment? Non, увидимся, on se verra. Увидимся. Спасибо на сегодня. Увидимся. В следующий раз. И donc, итак, спасибо огромное. Répète un pour un, и je répète après toi, Edouard. Спасибо огромное на сегодня. Спасибо огромное на сегодня. Увидимся в следующий раз. D'accord. Edouard, merci. Et on se voit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Paca.